sur les antivaleurs. Ça, on ne cautionne pas. Avant que nous prenions le premier dossier, vous avez parlé d'infrastructure. Eh, c'est là que je voudrais arriver. Okay. Je vous montre, j'ai avec moi-même des photos et des contrats sur l'infrastructure. Mardoché l'a dit ici, et j'ai senti qu'elle a contribué, tout ça, l'électrification, les routes sont bonnes et très bien. Je suis d'accord, c'est peut-être que lui vit ici à Kinshasa, je ne m'attaque pas à lui, il ne comprend pas les galères dans lesquelles nous vivons dans la province. Madame Fifi a un projet d'installer 50 000 poteaux à travers toute la province du Lualaba pour éclairer, pour donner de l'éclairage public. Et ce contrat a été donné à Invest Congo. Invest Congo. Oui, c'est une entreprise appartenant aux Ivoiriens. C'est-à-dire, tu vois là, la photo que j'ai amenée ici, c'est un poteau. Il y a un poteau, oui. Il y a un poteau à côté de l'autre qui a des câbles en haut. Ce poteau, c'est un PVC. Vide. Oui, jusque-là, il est vide. Ce poteau, c'est un PVC. Dedans, il y a barre de fer, un peu de ciment. Et ce poteau, quand il va s'allumer, juste quand il se tient comme ça, debout là, quand il est fixé là, ça est égal à... 2000 $ américains. 2000 $ juste pour ce poteau? Juste ce poteau-là. Et quand il va commencer à s'allumer, ça va faire 5000 $. Le contrat, il est là avec Congo Invest, parce que quand je vous dis... Expliquez-nous bien. Que je suis venu... 5000 $, 2000 $, juste pour un poteau. Oui, c'est-à-dire, quand on achète un PVC, on achète du ciment qu'on y met dedans, plus le bar de fer, et qu'on creuse les trous, ça égale... 2000 $. Quand il va commencer à allumer, quand on va mettre de l'ampoule pour que ça éclaire dans la nuit, ça va faire 5000 $. 5000 $ pour un poteau. Un poteau seulement. C'est cela le contrat qui est ici, signé avec Invest Congo. Donc, ce contrat ici a même coûté la tête des ministres dans la province, et je vais y arriver. Qu'est-ce qui arrive avec Invest Congo? C'est-à-dire, ils vont implanter 50 000 poteaux à travers la province du Lualaba. 5000 $ fois 50 000. Fois 50 000 poteaux. Donc, vous allez voir les montants que ça va vous faire. Et nous, on a mené l'enquête. On s'est dit, mais c'est pas quand même possible pour qu'il y ait un poteau à 5000 $ américains, même si nous sommes la province la plus riche. Et ça, Marceline Sélé connaît ça, mais il n'a pas évoqué le cas. Je pense qu'il ne connaît pas. Il dit c'est qu'on il ne connaît pas. Je pense qu'il ne connaît pas. Il dit c'est qu'on... Il fait toujours croire qu'il a évolué là-bas, il maîtrise bien la situation. C'est vrai, il a évolué là-bas, mais ses projets, il ne l'a pas laissé. C'est peut-être qu'il dit c'est qu'on lui demande de dire. Ah, c'est qu'on lui demande de dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces poteaux? Ces 5000 $, c'est Congo Invest qui a ça, c'est une entreprise... des Ivoiriens, avec un certain Kipré à la tête. Quand il a gagné ce marché dans la province, je vous l'ai dit, ça va peut-être vous étonner, et ça nous a étonné aussi, il a monté un parti politique chez lui, en Côte d'Ivoire, et il en avec a fêté... Avec l'argent de la RDC. Avec l'argent du Lualaba, l'argent de la RDC, il a monté... Il est le beau-fils. Il est le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Ils ont monté leur parti politique, ils ont fait une très grande fête, et avec l'argent du Lualaba. L'argent de la RDC. Mmh. Mais ce poteau, 1000 $ pour un poteau. Ce poteau, comment nous on a dit, quand on a pris les poteaux, nous sommes allés voir les entreprises locales. Est-ce qu'un poteau peut-il arriver à 5000 $ américains? Nous sommes allés voir. Nous sommes allés voir l'entreprise locale Dev. J'ai les proforma avec moi ici. Nous sommes allés voir, nous avons demandé. Mais là, c'est en fer, s'il vous plaît. On va faire ce poteau-là, pas avec des tuyaux, les tuyaux que vous voyez, les PVC que vous appelez ici. Parce que ces poteaux-là de 5000 $, c'est un PVC. C'est pas un poteau de fer, non, non. C'est un PVC. Mais quand nous, on est allé chez Dev, sur place à Colusi, nous avons posé la question. Nous avons trouvé que les poteaux qui vont s'allumer en fer, ça va faire 1390 $ américains. Ah! Par poteau. Par poteau. Alors qu'on nous présente 5000 $ pour un poteau. Pour quelqu'un qui va venir de l'étranger, à celui-là, on lui donne 5000. C'est inconcevable. C'est à ce niveau-là que je dis, on ne peut pas se taire avec ces choses-là. Qu'est-ce qui est caché là derrière, là, pour qu'on puisse débourser tant d'argent pour juste un poteau qui peut être, tel que vous venez de le dire, qui peut revenir à 1300 $? La rétrocommission. Rétrocommission. C'est simple. La rétrocommission. Je ne comprends pas pourquoi on va donner un marché à un expatrié qui n'amène rien de nouveau, alors que tout au Lualaba peut être fait de la bonne manière. Donc, quelque part, on peut combattre la vision du président de la République. Non, mais est-ce que tu sais que tu es soutenu au Lualaba avec ça? Je pense que tu sais que je n'ai pas soutenu. Et en 2023, il ne fera pas bonne campagne. Dans le Lualaba? Ah, oui. C'est mal parti pour lui. Oui. En 2023, je l'ai dit, je sais que tu sais que je ne fera pas bonne campagne. Parce que ça, la population regarde. Mais regardez l'avenir de ces poteaux avant que ça soit même déjà allumé. Juste la première pluie qui est tombée au Lualaba, les poteaux se sont écroulés
Et voilà, les poteaux, c'est 5 000 $ qui est parti. Ça, c'est du gâchis, hein. Et c'est 5 000 $ qui est parti. C'est pas l'unique poteau. C'est un peu partout. Nous avons répertorié une centaine de comme ça. À peine installé, et puis après, ça tombe, et puis c'est cassé. Et l'argent de la province est parti. C'est ça qu'on appelle gaspillage. Mais est-ce que vous êtes un journaliste d'investigation? Est-ce que vous avez...